Du conservatoire, c'est de faire ce qu'on appelle un réseau d'aquarium. Donc il fallait pouvoir récolter à un endroit précis les coraux et pouvoir les transporter dans différents aquariums. C'est vraiment le but consacré de ce conservatoire, c'est-à-dire de mettre les coraux dans différents aquariums pour pouvoir les conserver. Nous avons participé à une première expédition des explorations de Monaco en océan Indien. Donc, nous sommes allés aux Seychelles, plus précisément dans l'atoll de l'Aldabra, pour récolter des coraux. Donc, c'est la première phase en fait, opérationnelle du Conservatoire mondial du corail, c'est-à-dire prélever des coraux dans les récifs. Le protocole doit être précis. On a soumis ce protocole à nos pairs et ça a été publié en 2020 dans PLOS Biology. Donc ça a été accepté tel quel. On prélève à un endroit précis, donc on doit avoir les points GPS, on doit avoir la profondeur, on doit avoir les conditions physiques et chimiques dans lesquelles on prélève ces coraux, c'est-à-dire le pH, la température, les courants si possible, est-ce que c'est turbide, pas turbide, sur quel substrat sont implantés les coraux. Donc tout ça c'est important. Et tout ça, on va le mettre dans une banque de données. Mais aussi, on va faire des photos de l'environnement, de près aussi, puisqu'on va, on va vouloir savoir quelle est la forme du corail. Et ensuite, toutes ces datas vont être associées à un seul numéro de puce RFID, une puce qui nous permet de dénombrer, de numéroter en fait la souche. Et une fois qu'on aura aussi des séquences de données génétiques, comme la transcriptomique et la génomique, mais on associera en fait ces données à toutes les données qu'on a déjà physiques. La collecte n'est pas le seul point important du protocole, c'est aussi la logistique pour pouvoir amener ces coraux dans les aquariums. Donc il a fallu qu'on réfléchisse à comment transporter ces coraux le plus vite possible. Et tous ces petits points nous ont permis d'avoir un processus rapide pour pouvoir après disperser les coraux dans différents aquariums. Parce que c'est un des buts du conservatoire, c'est de ne pas garder une seule souche dans un seul aquarium. Car vous le savez, s'il y a un problème dans un aquarium, on va faire disparaître la souche.